Voilà, c'est en sélection faite par les Shiny Darkness. Tout d'abord Tenek, suivi de Marlo. Alors Tenek avec What Do You Want et Marlo avec le titre Stars. Voilà, donc revenons-en un petit peu à Shiny Darkness juste avant, puisque le temps passe tellement vite, malheureusement. Ils vont bientôt devoir intervenir sur le concert qu'ils vont nous réserver ce soir. Petite question que j'avais à vous poser. Finalement, n'êtes-vous pas connu un peu plus en Europe, un peu partout dans le monde, qu'en France ? C'est peut-être un peu beaucoup. Ça fait beaucoup. Continue Greg, j'adore. Non, mais il y a un petit côté assez familial avec un groupe régional qui est fier de justement de sa région, et en même temps vous faites vraiment un carton un peu partout ailleurs et malheureusement pas ici. Bon, c'est un début. Le style il s'y prête un peu aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Je pense qu'on s'exporte bien outre-Manche, c'est pour ça qu'on va jouer là-bas. Il y a des projets pour l'Allemagne. On est allé jouer en Espagne. On a failli aller en Grèce, mais avec ce qui s'est passé dernièrement, c'est pas le moment on a dû d'y annuler. Aller, exactement. Mais oui, c'est vrai que ça fonctionne un petit peu mieux avec les anglophones et les germains, on va dire. Enfin, je disais que ça marche pas tellement ici, mais bon, c'est aussi un petit début. Puisque je salue Pierre de Cultura qui m'a annoncé encore de bonnes ventes pour l'album Lighthouse. Et c'est plutôt rare que les albums se vendent aussi bien comme des petits pains, alors voilà. Également tu accompagné de Katharina qui aurait souhaité aussi intervenir à l'antenne pour parler du groupe. Absolument. Également pour nos amis anglais et étrangers. Ben, on a la chance d'avoir donc des gens qui sont connectés sur internet ce soir et qui sont d'Angleterre, d'Allemagne et même de Suède. Donc Katharina. Hello, good evening. Ah. No one. Hello. Sam, okay, for our English friends and our Swedish friends and our German friends, some English, very little. Yes. What can you say about Shiny Darkness? About Shiny Darkness. Yes. Let's talk about Bass 2, for example. Okay. For Bass 2. So we listened to Tenek before. They're going to be in Basildon 2. We listened to Marlo, who's going to be again at Basildon 2. He was last year. And also in the beginning, of course, Modovar, who are not only going to be in Basildon 2, but they will be with Shiny Darkness tomorrow in Croydon for the last gig of Lighthouse. Okay, thank you very much, Katharina. You're welcome. merci beaucoup. Donc, presque 22h30, je vais vous laisser place pour le concert. Je vais vous laisser vous installer tranquillement. Juste avant, je vous rappelle que la semaine prochaine, nous aurons l'interview bien le groupe Fortest via Phoneur, bien sûr. Malheureusement, on n'aura pas la chance de les avoir ici dans les studios. Également, une émission spéciale pour Philippe Tellier, qui l'émission Défunte Éclectronique. Il fera un spécial de son émission Défunte, malheureusement. Donc voilà, pas mal d'actualités, vous le savez, dans Sampleur. Et là, une vraie première, parce que là, ça va cartonner, ça va être supervisé comme il faut. Il y a beaucoup de matériel derrière moi. Vous verrez les photos, je pense, bientôt sur Internet. C'est pour moi, c'est une première. Et je suis vraiment tout excité, je dois avouer. Merci beaucoup d'être venu, d'être dérangé. Merci jusqu'ici, à toi, Greg. Hein, merci, Greg. On se reverra très très bientôt. C'est certain. Voilà, donc petite annonce également pour les concerts espoirés qui auront lieu dans la région. Je vous rappelle Children of IBM qui aura lieu le vendredi 18 avec donc DJ Kimera qui vient du Japon, suivi de Suicide Commando, également Patrick Codenis de Front 242 qui sera également à la tête d'un mix. Ça se passera à FIV, à la salle des fêtes, l'entrée de 2€, ça commence à 20h, et la suite de l'événement aura lieu dans une discothèque Porte de Valenciennes. C'est le Magazine Club, ça fait juste un an, enfin bientôt un an qu'ils sont ouverts d'ailleurs pour fêter les un an, le 2 décembre ou le 3 décembre, c'est le samedi 3 décembre, Andy Fletcher sera DJ, voilà, c'est confirmé, voilà.
Sinon, pour en revenir à Chelona Fibiem, ce sera The Hacker qui est invité pour bien faire danser les foules la nuit au Magazine Club. Voilà pour les news. Le groupe se prépare derrière moi. Je vais laisser un petit fond d'ambiance musicale et faire comme tous les invités de ce soir. D'ailleurs, je vais faire un tour de table et je vais les remercier. Katharina, bien sûr, Anne-Sophie, Philippe, Caro, et puis Sandrine, tout ça qui est venu aussi, avec Martial, Dragan qui est là aussi pour nous filer un coup de main, superviser tout ça, et bien sûr Seb MCK qui fait le photographe ce soir. Merci à tous, et maintenant nous allons assister à un super concert. Voilà, on va s'amuser jusqu'à 23h. Après, ce sera la fin de Sans pleurer sans reproche. Jusqu'à lundi prochain. Merci à tous et bonne soirée. Maintenant, c'est Shiny Darkness dans Sans pleurer sans reproche.